Comment s'est déroulé ces premiers tests grandeur nature pour les finalistes? La question a été posée aux finalistes aussi. Pour certains, cet examen des réflexions s'est bien déroulé. D'autres, par contre, ont éprouvé quelques difficultés pour choisir les sujets et les développer. Mais dans l'ensemble, la plupart de ces finalistes espèrent avoir réussi à ces tests de rédaction. Interrogés par nos reporters, ces finalistes nous ont raconté comment ils ont passé leur examen. Pour moi, je dois dire que j'ai réussi. Je dois dire que j'ai réussi parce que je suis sûr de ce que je viens de faire. Sur 5, je peux dire 3 ou 4. Parce que ça dépend de la personne qui corrige mon examen. Selon ma compréhension, s'il arrive aussi à comprendre comme ça, je dirais c'est 5 sur 5. Ouais, il y a quelques difficultés par rapport à développer les sujets. Ça m'a un peu pris la tête là. Je peux dire effectivement, je ne m'étais pas préparée. Je n'étais pas préparée, je m'attendais de tout. Les soins de mon sujet étaient face au travail, l'homme le faire ou faire, ou le faire faire. L'intitulé c'était on ne peut être mieux qu'au sein de la famille. Alors j'ai développé les sujets, l'introduction, je me suis fait la conclusion et ça s'était très bien passé. Le choix, le sujet j'ai un peu oublié, mais le thème est, ça parlait de la jeunesse. Franchement, je n'ai pas rencontré de difficultés parce que j'étais déjà bien préparé par rapport à ça. J'ai travaillé déjà sur ce thème depuis longtemps et par rapport à l'expérience des autres, on m'avait bien dit que ce thème rentre à chaque année. Donc j'avais déjà bien travaillé ça et j'avais répété et puis j'ai mémorisé. Donc c'était facile pour moi de travailler cela. Non, même pas. C'est juste pour faire peur et tout. Donc ce qui rend cela difficile, c'est que des fois on a tendance à paniquer en fait. Si on enlève la panique, ça sera très facile pour nous. C'est juste que c'est comme à l'école, comme on fait à l'école, on est dit c'est tout. Tu viens juste pratiquer ce que tu as appris à l'école, c'est tout.